Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 campagne modée avec nos amis les vampires d'Isabella von Karstein. On était en train de se faire, disons, repousser par l'Empire. Si on peut dire repousser, quoi. Ils nous avaient tué l'armée de Bruno. Oh, ils sont en marche forcée, bah cool, allez hop, au revoir. Et Isabella ramasse les miettes. Hein. Hop là, bonjour. Et toi, faudra peut-être la faire celle. J'ai peur qu'il m'enlève beaucoup de monde avec les archers. Je vais la faire à la main. Ça me fait chier de la faire, mais je vais la faire à la main. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'avec les archers, par exemple, le Vargulf, il reprenne très très cher. En vrai, parce que je suis pas sûr que l'ordi gère le déploiement d'avant-garde et de mettre toute l'armée juste devant juste devant nos amis de l'Empire. Ça, je suis pas sûr qu'il gère. Ce que moi je fais, par exemple. Hein, voilà. Alors, on commence le déploiement. Ah oui, position très stratégique pour ces hommes-là. Alors, déjà, tu fais... Hop, 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 déjà tu fais bonjour. Ok, ensuite tu prends la cave, tu fais ah mais là il est tout prêt, il est tout prêt, il est tout prêt, il faut qu'on se mette tout prêt aussi. Voilà, nous on va se mettre là. T'as zéro ligne, mec. Cherche pas. Charger là-dedans, toi tu charges ça, toi tu charges ça, toi tu charges ça, toi tu charges ça. L'infanterie. En avant. Marche. Une, deux, une, deux. Vous, bah, vous y allez, hein, et puis toi tu viens là. Voilà, et puis ça, ça va s'occuper de ça. Très vite. Youhouhou! Oui! Oui! Loupé. Complètement loupé ce crachat, monsieur. Oui. Vas-y, tu peux tenter de la buter avec ton guerrier de Sémur. Il y a un terrorgeist qui arrive par contre. Et des vargeist. Oh, oh oui! Bonjour. Ah, pardon. Bonjour. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle se faire massacrer en fait, monsieur l'ordinateur? Oui, oui. Ok. Oui, donc c'était vraiment, oui, c'était vraiment une victoire décisive. Hein. Les joueurs d'épée ont quand même eu le temps de tuer 5 mecs. Hein. On les remerciera. Et d'un côté, avoir que des trucs qui font la terreur, qui t'arrivent dessus, et ton seigneur qui meurt instant au bout de 2 secondes, je peux comprendre. Je peux comprendre que t'aies envie de fuir quand même. Un petit peu. Voilà, ça c'est fait. On a quand même eu le temps d'en tuer 300, quoi. Enfin, là, c'était vraiment fauchage des blés, quoi. En fait, comme il était concentré, dès qu'il y en a une qui fuit, en plus le seigneur était juste au-dessus, donc il est mort. Tous les mecs au corps à corps, ils ont eu peur, en fait. Et ils avaient un gros dragon aussi dans leur rang, et là ça fait...
Voilà. Bon. Il n'y aurait même rien eu. Aucun message, rien. Ok, bah, c'est parti. Enfin, tu vas pas aller la chercher, la ville, mais. Voilà quoi. Moi, je pense que si on lui nique Aldorf, il est dans la merde. Enlever Bruno ici. Hein. J'investis parce que j'ai pas. J'ai pas de. J'ai pas les 5 de surplus de population, alors je préfère investir dans les grandes villes, voilà, que d'en attendre pour le château de Drakanov. Toi tu viens là. Alors pourquoi j'ai changé son déplacement, c'est parce qu'il peut se remettre en marche normale. Non, il peut pas. J'ai été trop lent, tant pis. Karak Kadrin, elle va monter aussi. Petite question, est-ce que je peux te déclarer la guerre à toi? Je n'appelle pas mes alliés, mais... Apparemment, oui, et j'ai pas de message. Très bien. On arrive. Même si ici, j'ai pas d'armée. Mais elle n'en a pas, j'en vois pas. Richa, elle a dû repartir chez elle. Lui, il est en attente des nains de Karazakarak. Ouais. Ah, il est Rand Force 1 maintenant. Marrant. Avant, c'était l'Empire. C'était le Reichland. Le Reichland est passé Rand Force 2 alors. Ah non, 10. Ah, j'ai vraiment mis. J'ai vraiment mis cher en fait. Je pensais pas que ça allait être autant, tu vois. Bon, bah Isabella, elle va, Isabella là, elle va faucher les blés, hein. Elle arrive. Hein. She's come, hein. Tout défonçage les gens. Ok, on a ici quelques armées de l'Empire, bien au nord, qui sont en train d'essayer de se reconstituer. Mais quand j'aurai pris tout le Reichland, ils n'ont plus rien. Et donc, bah là, s'ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien. Hein. Nous, on enfonce et puis c'est tout. Hein. Ah, ça recrute. Hein. Ah, lui, il se déplace. Il va essayer de recruter, à mon avis, troupe par troupe et ville par ville. M'attaque. Ok, ça c'était sûr par contre. C'était sûr que Durtuil allait revenir. La fin est proche. Ah, la WAG. Très bien. Alors, je peux pas l'atteindre, je crois. Une baliste naine. Que je peux pas l'atteindre. En tout cas, si je l'atteins, il est en marche forcée, donc bonjour. Alors, on me dit victoire de justesse. C'est quoi ça? C'est du canon nain et de la baliste naine. Ok. J'ai pas peur, mec. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Attention qu'il y a quand même des troupes d'élite, il y a les troupes rouges de l'Empire. Il faut faire gaffe quand même. Bertie, là, il est pas content. Commençons le déploiement. Mais pourquoi est-ce que je me déploierais si... Meilleure ligne de vue ever, les gars.
On a jamais fait mieux. Déjà. On va faire ça. Parce qu'il va se retourner. On se... Bah attends. Pas lui. Il vole lui ou pas? Mais non, en plus il vole même pas. C'est pas bien. Alors, est-ce qu'on lui fait la blague de mettre toute l'armée derrière? En vrai, ce serait très très drôle. Les archers. Les arquebusiers sont où? Je ne les vois pas. Monsieur planque ses arquebusiers. Pas très content. Voilà. Talali Lalou. La machine mortise dans le lot. Hop, toi, est-ce que tu peux te poser? Même poser, t'es pas invisible, d'accord. Mais le Vargulf, je l'oublie tout le temps. Alors qu'il est si gentil, il est si beau. Ah, il peut pas être caché dans les forêts, bah très bien. Bonjour. Vous vous êtes fait eu. Bande de nazes. Non, 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 non. Merde. Je l'ai complètement chié. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Isabella von Karstein. Oh oui. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut charger le canon. On veut peut-être balancer un petit souffle là-dedans. On veut peut-être charger ça. Toi, tu dégages. Copine. Copinette. Tu es là. Peut-être qu'on veut ça aussi. Et vous, bah vous vous tournez. Hein. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire, les gars. J'arrive. For Sylvania. Master of the undead. All shall perish. Ok. Nous assistons à de la panique un peu partout. L'ordi qui sait absolument pas gérer ce qui lui arrive. D'un côté, qui arriverait? Pas grand monde. Lui. Bonjour. Voilà, tu sais plus taper. Qu'est-ce qui est encore debout là? Qu'est-ce qui est indémoralisable ou encore debout? Ah, ces joueurs d'épée là, bah oui, ils sont... Oui, c'est vrai qu'ils sont indémoralisables. Au revoir. Avec la machine mortise qui arrive. Je sais que ça sert à rien parce qu'ils étaient en marche forcée. Oui. Et donc l'armée sera forcément détruite. Et comme ils étaient en marche forcée, ils étaient très fatigués, donc moins de morale, moins de capacité de combat, moins de tout ça, tout ça. Voilà. Voilà, merci, bonjour, au revoir. 51 morts, ils en ont fait 33. Oups, il y a peut-être eu des dégâts un peu alliés. Mais c'est une unité de garde des cryptes qui a tout mangé, quoi.
Très fatigué à prendre une abîme de noirceur et tout d'entrée de jeu. Les joueurs d'épée, ils ont pas apprécié. Hein. Bonjour. Tu avais une armée, je crois. Voilà. Alors je fais pas la paix avec le Reichland. Hein. Durtu peut prendre tout ce qu'il veut. On arrivera bien à revenir. Hop, ça dégage. Voilà. Hop. Bonjour. Hop. Vladouné. C'est vrai que j'ai un sort pour invoquer un Vergulf. Alors, hop. Ici. Est-ce qu'on peut recruter des choses intéressantes à Nuln? Pas trop. Pas trop. Ouais, ici, ça sert. Oh! Ouais, beaucoup de zombies, quoi. Beaucoup, beaucoup de zombies. Ici, rien. Ici. Par contre, ici, il y avait. Ah, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus les Terror Guys, tout ça. C'est un peu dérangeant. Et donc, si je veux relever une grosse armée, je suis obligé de repartir d'ici. Ça ne m'intéresse pas, moi. Ici. Pas grand-chose. Warden. Warden, il y a un petit peu. Ouais, Flemsbourg. Autant que je recrute à Nuln, hein. D'ailleurs, Nuln ne... Ouf, voilà. Recruter un seigneur. Ah, Heinrich, il est... Marrant. C'est un vagabond. Lignée, j'ai un seigneur de lignée, ok. Lui, c'est dans combien de temps? En 2 tours. En vrai, hop. Parce que lui, il a une... Re... Il a une Mais c'est pas du tout ce qui est noté, hein. C'est pas du tout ce qui est noté, ce qui est noté. Donc, il y a peut-être un petit problème là-dessus. Bonjour! Voilà. Et ça, bah, ça va aller à Dunkelberg là. Puis après, ça va remonter chez nos amis les elfes sylvains là. Certainly not. Puis Durtu, elle est où sa ville? C'est ça? C'est ça sa ville à Durtu? Ok, bon, on va aller chercher ça. Et là, le bosquet de... D'accord, il a deux trucs là. Et ben, on va les raser. Puis voilà. Et puis c'est tout. Il y a combien de villes? 3. 1, 2. J'en vois que 2. On va lui casser ses arbres et puis il sera pas content. Voilà. Seigneur non déplacé. Ah oui. En marche normale, tu peux atteindre ça et ça. Là, go. Bonjour. J'ai pas besoin de mes alliés pour Drisha. J'arrive. Merci. C'est chez moi. Ok. Avec des petites herbes médicinales. Alors, taladidadou, taladidadou, là, un petit peu de sang noble. Everything dies. Hop. On arrive, hein. Regarde, là, il y a la deuxième armée qui arrive. Donc, tout va bien. Toi, tu as... toujours, il n'y a personne, donc pour le moment t'es là. Amélioration de bâtiment, héros, ah oui, il y a elle. Non, c'est pas grave. Mon petit
This is terminal. Accord rapide. Qui est-ce? Qui est-ce qu'on peut parler? The Queen of Tides. Elle veut déjà la paix. Elle veut déjà la paix. Non, 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 on me tape pas, on me tape pas. Ah oui, on peut peut-être réveiller des gens. Gain d'expérience. Chance de succès d'une embuscade. Écoute, non. Ah bah là il va peut-être plus vouloir... là il recrute mais il va peut-être plus vouloir venir voir nul, non. Il a dû voir l'armée qui a fait pouf. Bon il reste hein mais... Alors Durtu je sais pas ce qu'il va faire, bah il va certainement reprendre la ligne là. Qu'on viendra rechercher avant de casser ses villes. Voilà. Il va me casser les pieds. On thy knees. Non. Ah ça, elle l'avait pas vu venir. Hein. Je pense qu'elle était pas en mode prête à se défendre. Il faudrait que je prenne ce... Il faudrait que je prenne ce château-là. J'aurais dû peut-être raise à Heinrich là. J'y ai pas pensé. Ok. Il a... confédéré avec un autre notre elfe de ses morts. Tac tac. Never. Non, pardon, je regarde pas la bonne ville. Ouais, ça, c'est une garnison normale. Oh. Ok. Alors... Je peux pas l'atteindre, je crois. Ou tout pile. Ouais, je peux pas l'atteindre. Très bien. On met une armée de merde. Bon, on va aller lui chercher Aldorf. Hein. Speak. Ouais, c'est parce qu'il a énormément de colonies, donc il voudra pas la paix tout de suite, hein. Ok. Toi. Hop. Ça, tu vas pas prendre d'attrition. Lui peut se déplacer. Bah, go. Tu vas aller là. Puis voilà. C'est chez moi. Voilà. On va essayer de prendre... Il faudrait que j'essaye de prendre... Punaise, j'en ai marre de dire prenne. Il faudrait que j'essaye de prendre ça au moins. Après, je sais pas où il est l'arbre de Drisha. Sur cette map. Là? Ou alors aller plus haut? Combien de colonies elle a? 19. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, 17. Il y en a encore deux par là. Il y en a encore deux par là, donc son arbre il doit être par là. Très bien. Très bien. Ok. Juste pour savoir un petit truc. 2600 la garnison. Point de compétence. Hop. Everything dies. Ok.
Ah ouais, bah il continue à gagner des niveaux. Y'a Kadrin qui se repointe. Hein. Peut-être falloir aller les calmer ceux-là aussi. Aller les recalmer. Moi celui qui m'emmerde le plus c'est pour le moment c'est... C'est Durtu. Eh, il est passé à travers encore. Je sais pas où est-ce qu'il est passé là. Mais alors là, je vais aller te prendre Aldorf, mec. Ça va pas te faire plaisir. Moi, ça va me faire plaisir. Par contre, toi... Non, ça attaque pas. Ça attaque pas. Très bien. Ce qui m'embête, c'est que j'ai rien pour aller chercher ça. J'aurais bien Aldus là, mais j'ai peur que les nains m'attaquent. Bruno est revenu. Vas-y, tu sais quoi? Toi, tu vas aller chercher les villes là-bas. Ok, toi. Toi, c'est pareil. Marche normale. Tu viens là. Toi, tu vas là. Hop là, on va aller très vite sur Drisha, parce que j'ai pas envie de me la coltiner pendant 8 ans et demi. Ok. L'empereur est revenu, avec quoi comme armée? Beaucoup de canons. Bonjour. Victoire de justesse. En vrai, comme il y a l'empereur qui est juste là, je vais me mettre en mode invocation. Je vais reculer un petit peu. Parce que... miasme. Parce que comme ça, il va peut-être venir me chercher. Il sera tout seul, on le détruit. Et après, on prend Aldorf. Parce que si je prends Aldorf, je risque d'avoir trop de victimes et lui risque d'en profiter. Lui, on sait pas trop ce qu'il va faire. Ok, ça approche. Alors, on peut reprendre quoi? On pourrait reprendre de la cave. Qui va essayer de venir sur nul s'il me voit pas, je ne pense pas, mais on va tester ça. Ok, là on a Drisha qui est ici. Pour moi, elle a pas d'armée là. Je pense que je la verrai son armée. On va aller chercher le pognon. C'est parti. Ça bloque toujours au 15, je sais pas qui c'est. Il a l'air d'être fort, hein. Il a l'air d'avoir des choses à faire. Est-ce que ce serait pas Nagarmond? Je sais même pas s'ils sont là. Qu'est-ce que tu veux? Non. Je ne suis pas du tout en position pour combattre Karak Kadrin. Je suis sur Drisha et le Reichland. Je ne peux pas tout faire, mon ami. Embuscade. Ça a marché. Ça a marché, ça a marché, ça a marché. Oui. C'est bien, il a surtout fait prendre la garnison. Ok, ça a marché. Nice. Ça dégage. Il
Willon, il va reprendre pas mal de villes, malheureusement. Il n'a rien à lui opposer, c'est pour ça. Donc, il vient de me prendre une mine d'or, donc il va... mes finances vont être plus mal. Non, on voit pas les armées sur la map. Il y a trop de trucs, je crois. Ah, trop de trucs à afficher. Ok, chance Peacekeeper. Ok. Alors, là, il y a un homme arbre qui arrive. Et ça, c'est à moi. Hop. C'est à moi. Très bien. Ta la lila loulala. En 3 niveaux, il aura son dragon. Lui, il peut pas attaquer ce tour-là. Parce qu'il est en mode souterrain, là. Alors après, là, ce que je peux faire pour être sûr qu'elle m'attaque pas, qu'elle me reprenne pas de ville, c'est ça. Faire une guerre éclair. Cela, en fait, on lui aura fait une guerre éclair, on lui aura pris quelques territoires. 1, 2, 3, 4. Malheureusement, pas de territoire là. Et c'est surtout là que ça m'intéresse. Donc au pire, on va la laisser, mais... Ça va être une guerre plutôt type guerre éclair. Hein. Pas ici. Needling, c'est où? Pas ici. On va la tenter, celle-là. Karaknorn dans 2 tours. On va la tenter. Elle pourra pas aller jusqu'à Karaknorn. Et en vrai, je la ferai, la bataille. Ok. Il lui avait mis aucun sort. C'est bien quand un seigneur sorcier de pas lui mettre de sort en vrai. Tu peux attaquer? Merci. Bon, on va aller voir Isabella. Victoire de justesse. Il m'enlève mes 2 morgules, mais il y en a un qui revient. Très bien. Écoute. Écoute, si je peux directement en mettre un, moi ça me va. Ok, Sapillas, l'empereur se replie. Intéressant. Bon, lui, je vais arriver, mais il va se barrer comme une vieille merde. Voilà, qu'est-ce que je disais? Déplacement normal, tu vas avancer vers Tamé. Voilà, au pire on prendra Tamé. Hein. Point de compétence, qui ça? Ah! They will serve. Prochain tour, je pense que je peux peut-être aller chercher ça. Ça me ferait du bien. Lui, il va peut-être attaquer ça. Mais nous, on va pouvoir reprendre les villes qui sont ici. Donc ça va me faire plaisir. D'ailleurs, j'aurais pu créer un seigneur ici avec une armée de merde pour les prendre. Avec beaucoup de loups, par exemple, parce qu'ils ont beaucoup d'archers, les elfes sylvains.
Ça aurait pu être intéressant. Mais il n'y a aucune... J'aimerais bien une armée qui m'oppose vraiment de la résistance, quoi. Parce que là, les armées de l'Empire, elles se croustillent un peu, quoi. Attaque pas, je sais pas ce qu'il fait. Il me déclare la guerre. Évidemment. Bon. C'était évident. Donc, nous allons prendre des mesures immédiates. D'accord, il vient piller. Je peux pas aller jusque là-bas. Oh. My bloodline calls. Destruction. Il va la prendre. Non. Yes. Et là, on me dit défaite quand même. Hein. Moi, j'y crois pas à la défaite. Il a pas de l'ému. Ah, il a ça, il a des autres quand même. Ok. Mais il est très fatigué. Moi, hein. Ouais, je dis que ça passe. Il fait genre l'ordi, mais moi, je dis que ça passe. Donc, et en plus, ils ont pas de tireur. Donc ça, c'est pas mal. On a un petit peu de cave. Il va pas servir à grand chose. On va peut-être à tenter des flanques. Alors. Bon. Là, il sera obligé de faire le tour s'il veut me flanquer. Donc ça, soit ça vient comme ça, ça, ça doit faire le tour. Déjà pas si mal. La cave en flanque, les volants. Alors, les morgules, je les mettrai bien. Ici, en couverture du flanque. Avec les Wargeist. Les horreurs planquées. Comme ça, s'il est temps de flanquer, on a des gens pour contrer le flanque. Ça, bah, c'est de l'infanterie, hein, donc ça va aller avec l'infanterie. Peut-être que lui... Lui, il est jamais caché, hein, il n'a pas le droit de se cacher, lui. Donc lui, on va le mettre là. Il vient ou pas ? Il vient. Il sait que je me suis planqué là ou quoi? Il peut pas me voir là normalement. Ou il refait sa ligne? Ah non, il refait sa ligne. Donc il vient pas. Très bien. Marcher. Ah bah non, il est pas, il était pas en pillage quand je l'ai attaqué, c'est vrai. Ok. Ah mais il a un deuxième homme arbre, j'avais pas vu. En vrai, est-ce que j'enverrai pas mais voilà, ouais, mais non, il va mettre toutes ses unités de merde. Ah, il a plusieurs hommes arbres. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit qu'on va perdre.
Ok, ça tente le flank. Évidemment. Tout ça, on peut pas passer là. Il voit la cave. Hein. Ok. C'est pas Isabella, hein, l'armée. C'est pas l'armée d'Isabella, donc elle est de beaucoup moins bonne qualité. Surtout. J'ai peur qu'il me voit avec ses ours de ses morts. Des loups géants. Ah, il s'approche quand même du bord de map au fur et à mesure, hein, on le pousse. Mais il pourra pas sortir. Ok, ça déjà c'est une bonne opération, c'est-à-dire que eux ils ont réussi à se faufiler dans le dos. Donc ça on va pouvoir les charger de dos. On va même peut-être charger les autres de dos, en vrai. Est-ce que j'essaierai pas d'aller titiller ça? Si j'essaye de faire ça, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait si je fais ça? Ok. Se replie. Ok, ça charge. Il a pas aimé la blague. Wow, 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 ça charge plus. Ok. Alors. Il va les laisser se faire démembrer. Très bien. Je gagne contre celle-là, mais pas contre celle-là. Ok. Intéressant. Ok. Apporter un peu de renfort. Bon. On va venir chercher le flank. Ok,
sont défoncés, eux, par contre. Et dégagez. Ok, on dégage. Il est obligé de rester au combat, je sais pas pourquoi, il a pas réussi à se dégager lui. Ça va, ils volent toujours. On va pas encore le faire parce qu'ils sont pas à portée. Hop. Allez. Apparemment, ils s'en battent un peu les couilles. Que je le défonce ses unités volantes, donc moi ça me va. Ça a pas l'air nul hein, ces faucons de ces morts là. Ok. Dans la forêt. Ok, on va se soigner. Pas une potion de soin d'ailleurs. Mais si, en plus j'ai une potion de soin, donc très bien. Alors, bon, les faucons, ils sont tous barrés. Bah, moi, s'il bouge pas, je vais la jouer comme ça. Hein. Petit à coup de petites escarmouches. On va finir par l'affaiblir. Et... Là, il a déjà perdu 3 unités. Hein. Moi, j'en ai pas perdu. C'est ça qu'il faut veiller. Je sais pas pourquoi il fait ça, l'ordi, être con comme ça. Les autres, ça va être autre chose. Ah oui. Ouais, tu vas taper ça, s'il te plaît. Pourquoi ils perdent leur morale comme ça, mais... Machin ?
Ok, on se dégage. On se dégage. Ouais, mais comment ça se fait que j'ai perdu tant de vie? Cette unité là, elle s'est fait déboîter l'anus. Pourquoi ça? Allez, là on engage là parce que y en a marre. Il doit être surbuffé ces trucs. Engagement difficile. Je répète, engagement difficile. Les autres, on va pas réussir à les tenir longtemps. Les morgues, il faut qu'ils se replient. L'homme arbre. Les hommes arbres, c'est costaud, hein. Mais là, son seigneur, on est plus fort que lui. C'est des magiciens aussi, donc. Ça joue. Alors vous, il faudrait que vous fassiez une petite charge là. Je vais me dire, moi je suis aussi un magicien. Ici l'engagement se passe bien en fait au final. Il reste l'homme arbre quoi. Alors vous, il faut que vous vous barriez. Reprenez votre morale. Vous, il faut que vous finissiez de tuer ça. Reprenez votre morale, reprenez votre morale. C'est pas grave. Ok, les ours sauvages, ils sont en fuite également. T'étais pas contre le seigneur, toi, au final? Je t'avais pas demandé ça. Pourquoi tu t'es désengagé? Ok, alors tous contre lui. Ok, chassez ça. Vous allez reprendre votre morale. Elles sont en fuite, donc. Allez vous amuser avec ça, elles pourront pas se retourner. Ok, engagement. Engagement. Chargé. Non, toi c'était là-bas. Ok, est-ce qu'on a des gens qui ne font rien? Non, c'est très bien. Bon,
vous les chassez là ou qu'est-ce que vous faites? Ok, leur seigneur va tomber, ce qui est déjà très bien. Ok, l'ours ici va tomber également. Ok, tout le monde là-dessus. Bah voilà, bah en fait il reste les hommes arbres quoi. Quand t'as pas forcément ce qu'il faut pour les abattre. Alors, vous tapez tous l'homme arbre, sauf toi qui tape celui-là. Ok. Ça fuit. C'est mort, ça fuit. Allez hop, on y va. Voilà. Bah, au final, il restait les hommes arbres et les autres. Qui sont les plus puissantes unités des elfes et sylvains. Bon, on a encaissé, hein. On a surtout encaissé. Et alors, j'ai pas compris ce qu'il a fait avec ses faucons. J'ai de plus en plus de mal à comprendre ce que fait l'IA dans Total War Warhammer. Mais bon. Voilà, ça fait une armée de Drich en moins. L'argent. Voilà. Ok, taille de l'aura de commandement, très bien. Il a bientôt son dragon zombie, oui. Bien. Et ben en plus tu t'es approché de Kiel. Voilà, donc peut-être même qu'au prochain tour tu peux aller prendre Kiel. Ouais, tu vas pouvoir aller prendre ça au prochain tour. Et en vrai, si j'arrive à lui prendre... ces régions là, Deadwood, ah bah non il est là son arbre, non c'est Mordheim. Ah, Drisha qui arrive en marche forcée, donc au prochain tour elle va stepper. Donc prochain tour elle se TP, moi il faut que j'arrive à lui prendre ces deux villes là, je pense que ces deux villes là je fais la paix, peut-être. Hop, ah yes. On arrive, pouf. Très bien. Je vais peut-être aller à Vladenov au prochain tour et il me restera plus que le château Van Alden. Presque envie de refaire une armée. Hein. Alors attends, toi, tu viens là. Ouh! Des armées d'Arguilon. Full archer. Moi, j'ai full cave. Et tu n'as pas, évidemment, l'attaque éclair. Ouais. Un homme arbre. Il n'y a qu'un seul homme arbre. Attends, lui il est en déplacement souterrain, ils viennent pas en renfort quand t'attaques en déplacement souterrain, je crois. S'ils viennent pas en renfort, c'est du génie. Lui. 100%. Ayart, on est refait, vas-y. C'est un bug. Ceci est un bug. Très bien. Moi j'aime bien les bugs quand ils sont pour moi. Bah t'as mis hein. Karl Franz est là. Hop. Tac. Et on la rase. Est-ce que Karl Franz...
Parce que Karl Franz, et il peut pas venir me chercher. De toute façon, on viendra les rechercher plus tard, hein. C'est pas très très grave. Hein. Bah nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va regarder s'ils viennent en renfort, s'il y a les... Ouais, vas-y. J'arrive pas à voir... La flèche... Elle apparaît pas tout le temps, la flèche. Très bizarre. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!